tu la vois à l'affiche. J'étais venu voir le château, mais malheureusement, c'est fermé. J'ai loupé la date de 2-3 jours, donc c'est pas grave, j'en reviendrai au mois de septembre. Salut toi! Aujourd'hui je suis à Saint-Léger-de-Fougeray, toujours dans le Morvan bien sûr. Je continue l'exploration du Morvan. Donc là je suis parti pour une petite rando de 7 km. Donc, je pense pas être déçu car ici c'est quand même assez joli. Il y a des coins super chouettes à chaque fois que je viens me balader par là, dans les petits lieux dits, des alentours. C'est toujours de très beaux paysages. On va voir ça forcément. Donc là je suis parti dans un petit lieu-dit qui s'appelle le Traclan. J'en sais pas plus. Et puis on y va. Allez c'est parti, viens, je t'emmène. Quand je te disais qu'il y avait des super paysages dans le coin, on voit même le mont Télégraphe qui est juste là au centre avec la petite boule, je sais pas si on trouve, c'est la voie. Ah voilà, j'ai pas fait 300 mètres que déjà ça commence. Je suis un petit peu sorti du sentier, juste pas très loin, mais dès qu'on sort un petit peu, enfin j'étais dans la forêt là. Oh, le sentier est juste là. Et tout de suite, ouais, voilà. Les hauteurs du Morvan. Les petits écureuils. Ah, il est parti! Ah, il est là. Les crambis, tu l'as? Je sais pas si vous le voyez. Il est parti. Le petit écureuil. Le petit écureuil. Ah, tout en bas là où il y a les chevaux là. Juste ici, là, c'est le Traclan. Donc moi, je vais passer par là. Je pense que je vais remonter la route. La route, celle-là, là, à peu près. Là. Voilà, celle-là. Je pense que c'est celle-là que je vais remonter. Donc vous voyez dans le décor où je suis, franchement, c'est super chouette. C'est cool. Oula, attention. Et ça part devant moi. Des écureuils, des oiseaux, des... Plein de chevaux partout. Et salut copain. Il bouffe. Bien coiffé celui-là. Il mange. Hey, copain. Toi aussi tu manges tranquille. Ah, t'as franchi les mouches. Hein.
Voilà, je suis en train de marcher. Ah, c'est franchement, c'est pas mal du tout. Je valide. Alors, je retrouve le garage juste ici. Et c'est cool parce que pour traverser, eh ben, il y a un petit pont. Pas besoin de me mouiller les pieds aujourd'hui. Ah, franchement, c'est super chouette. C'est le Morvan. Il doit y avoir longtemps que personne n'est pas passé par là parce que. Attention, enlever son petit piquet, c'est accroché. Ah, et là toi. Je passe, ça permet. Je te remets. Attends, parce que. C'est compliqué. Ah. Ah, je me fais piquer. Ah. Voilà. Et le gars, petit papillon, et petit papillon, et petit papillon. Le Gara. Ah, là, est encore super clair. Il y a plein de libellules dans le coin. Ah, bah, moi qui me disais que. Ah là là là. Ah, regarde-moi ça, putain, il y a plein de boue partout. Ah mon dieu, si je passe là, c'est bon. Ah, la misère. Ah, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Je viens de me taper bon, à 150 mètres de dénivelé là. C'est calme et ça grimpe encore derrière en plus. Voilà, on aura un coup, ça fera du bien. On est reparti. On finit de grimper encore. Ils sont chiantes les mouches. Hein. Y'a Bilout. Oh, qu'elles sont pénibles. Ils sont envahis de moumouches.
Et de l'autre côté, c'est encore beaucoup mieux. Si j'arrive à trouver un coin où on lève les bras. Ah, franchement, c'est pas beau ici. Ah, puis il y en a même là-bas encore. Et c'est le moment, c'est cool. Le traclin. Tas de bois ici, à mon avis celui-là, ça fait un moment qu'il est là. Même de la mousse dessus, c'est tout à moitié en décomposition. Ça pousse de l'herbe dessus, de machin. Ça se travaille. Et me voici arrivé à mon point de départ, Saint-Léger-de-Fougeray. Donc ne cherchez pas, le point culminant de cette rando, c'est bien ici. Parce que du coup, ça a monté depuis le garage jusqu'ici, ça grimpe en fait. Donc, il y a une grosse vue au fond là, voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer quelques vues quand même avant de finir cette vidéo. Comme celle-là. Il y a même une table d'orientation juste là-bas, mais bon, je l'ai déjà vue. Voilà, d'ici on voit un tout petit peu mieux. Ouais, c'est franchement, c'est pas mal. Et voilà, fin de cette randonnée. Un cadre super agréable, fleurs, tout ça, du Morvan comme d'hab. Aujourd'hui, 7 km, un peu plus, même 7,5 km. Petite rando, mais assez sympa quand même. La vallée du Gara, le traclin, c'est franchement assez chouette. Rien à dire. C'est assez simple. Venez dans le Morvan. Venez le découvrir par vous-même. Allez, moi je vous dis à bientôt. Et toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort.